Cette liste d'invités, c'est une sacrée liste. Le concept était donc d'inviter des jeunes interprètes sur le point d'être très connus ou déjà très connus. Certains sont déjà des grandes stars en train de jouer des récitals solistes internationalement dans le monde international, et d'autres sont encore en train d'étudier et de faire des grimaces sur YouTube. Et donc de mélanger ces jeunes interprètes avec des grandes stars, qui ne sont pas forcément des stars de la musique classique d'ailleurs, et la grande star lyrique considérée comme l'invité d'honneur, c'était Rolando Villazón. Que vous connaissez, parce qu'il apparaît dans Deux, je te résume. Toc toc toc. Oh, surprise. Des grilles va ouvrir. Bonjour. En fait, il porte un toast. Comme c'est une immense star et que personnellement je l'adore, j'ai voulu le coincer dans un coin pour discuter un petit peu face caméra, essayer de l'interviewer 2 minutes. Histoire de le filmer et de vous le présenter officiellement. Histoire aussi de pouvoir dire que j'ai discuté le coup avec Rolando Villazón, hein. C'est aussi juste pour me la péter. Bonjour! Vous l'avez vu dans les vidéos sur La Traviata, Rolando Villazón. Bonjour! Bravo! Bon, j'avoue, j'ai pas choisi le meilleur moment pour l'arrêter dans le couloir. Rolando Villazón. Bonjour. Mais la vérité, c'est que comme ma caméra, bah, c'est mon téléphone, en mode selfie, j'avais juste l'air d'une fangirl un peu débile, voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il arrêtait pas de faire le clown en coulisses, il était vraiment excellent et sympa. Il avait ramené sa marionnette et c'était un sketch. Parce que Rolando Villazón, avant d'être un des plus grands ténors du monde lyrique, c'était un prof d'histoire. Et il faisait cours avec une marionnette. Oui, oui. Imagine Villazón qui te fait un cours d'histoire en mode ventriloque. À mon avis, y a personne qui sèche. Hein. Mais je n'ai rien pu filmer. Le seul truc que j'ai réussi à filmer, c'est lui qui pose pendant les photos officielles de l'émission. Alors, dans la famille des VIP hors musique classique, nous avons André Manoukian. Charles Berling, j'ai jamais su si on disait Berlin ou Berling d'ailleurs. Berling. Laurence Ferrari. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal préparé par la rédaction de TF1. Et Michel Blanc. Vous allez voir dans l'émission, je suis sur le plateau en même temps que Ellie Semoun. Et en invité musique classique, nous avons Aïda Garifullina. Que tu connais forcément si tu as regardé la Coupe du Monde cet été. Avec toujours la voix d'Aïda Garifullina. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. Oh, 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 oh. Ensuite, nous avons Nemanja Radulovic, violoniste connu internationalement. Il balance une énergie quand il joue. Le public était en liesse. Simon Gréchy. Son 4e album. D'ailleurs, son 3e album, Héritage, si tu ne le connais pas, c'est un de mes albums préférés de piano. J'en écoute pas des masses, mais celui-là, vraiment, je l'ai écouté en boucle. Écoute-le, je te le conseille. Bon, et le gars a aussi un look que j'adore. Il avait des mocassins à paillettes, donc forcément, moi, j'ai perdu toute objectivité concernant sa performance. Tu me mets des paillettes dans les yeux et moi, je décède. Chloé Van Zoutersteden. Jeune chef d'orchestre qui envoie du pâté. Ensuite, Maroussia Janté. C'était ma coloc de loge. Qui a gagné plusieurs concours, qui a fait des cursus très cérébraux au Conservatoire National et qui joue une pièce. J'adore cette pièce. Ensuite, Thomas Leleu, un des seuls solistes tubistes de France. Voire le seul, non? Le gars est un virtuose du tuba. Dit comme ça, tu te dis « hein ?» Et en fait, c'est impressionnant d'entendre le tuba comme ça. Tu vas voir, c'est scotchant. Ensuite, on a 3 violoncellistes. Victor-Julien Laferrière, Bruno Philippe et Aurélien Pascal. Individuellement des excellents solistes, mais qui, dans l'émission, jouent en trio un tube d'opéra de Wagner. Je ne t'en dis pas plus. Les autres tubes d'opéra choisis pour l'émission seront interprétés par 3 chanteurs. Chloé Briot,
soprano qui va chanter dans La Flûte Enchantée à l'Opéra de Paris en avril, Catherine Trottmann, mezzo qui a déjà chanté dans plusieurs opéras au Théâtre des Champs-Élysées et qui revient en juin pour Iphigénie en Tauride de Gluck. Pendant qu'ils chantent leurs airs, les chanteurs et les musiciens doivent rester dans le cercle que tu vois. Donc ils ont aucun contact avec le chef, ils sont carrément dos à eux, ils ne le voient pas, ils ne le sentent pas, ils n'ont que le moniteur qui est en face d'eux, et apparemment c'était très difficile de s'entendre avec l'orchestre. J'ai discuté de ça notamment avec Kevin Amiel, qui est le troisième chanteur. Il est ténor, il vient de jouer dans Hamlet à l'Opéra Comique, et il sera dans Faust à Marseille le mois prochain. Il était vraiment sympa, il a amené une super ambiance dans les coulisses juste avant l'émission. Un ténor, ça doit toujours d'avoir une hygiène buccale au top. Et enfin, il y aura les enfants de la maîtrise populaire de l'Opéra Comique qui ont réussi à faire danser Rolando Villazón sur West Side Story. Voilà, c'est la liste de tous les invités. Ça donne envie un petit peu ou pas? Rendez-vous après-demain pour la cinquième et dernière vidéo de cette série avant le jour J.